garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Oui, copains et copines. On espère que c'est bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. C'est quoi cette boîte? On va jouer à qu'est-ce qu'il y a dans la boîte challenge. Effectivement, les garçons vont relever courageusement le What's in the Box Challenge. Donc bien sûr, c'est un challenge qui nous arrive des États-Unis et qui commence déjà à être repris en France, comme à chaque fois d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le principe de ce challenge? On va mettre un aliment ou un objet, n'importe quoi, ici. Dans la boîte, oui, nous, tout à fait. On aura les yeux bandés. Voilà. Et on mettra nos mains et en touchant l'objet, on essaiera de deviner ce que c'est. Tout à fait. Et il peut y avoir quand même quelques surprises. Je ne vous dis rien de plus. Vous pouvez avoir des objets, des choses peut-être qui bougent si vous, vous les faites bouger, des choses qui peut-être se mangent, d'autres qui ne se mangent pas, certaines qui sont chaudes, d'autres qui sont froides. Du métal? La fête intelligente? On verra. On verra, en tout cas, vous pouvez avoir tout un tas de surprises. Il y aura 10 objets différents à deviner. Des commentaires et des pouces bleus? Ah ben si tu veux. Tu vois que ça, on peut le mettre dans la boîte? C'est plus difficile moi, quand même. Sur l'ordinateur. Ah oui, pourquoi pas. Donc à chaque fois qu'on mettra un objet, effectivement, il faudra deviner. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de tricherie, c'est vous qui allez décider lequel de vous deux commence. Ok, 23 papiers-ciseaux, Swan? Oui. 1, 2, 3 papiers-ciseaux. Oh, 1, 2, 3 papiers-ciseaux. Oh, mais c'est hyper serré! 1, 2, 3 papiers-ciseaux. T'es sûre que c'était ça que t'avais? Bah oui! J'ai vu une pierre, moi. Oui, moi j'avais vu une pierre au départ. Hein. De toute façon, ça change rien hein, parce que vous aurez tous les deux des choses un peu rigolotes. C'est lui, hein. Lui qui commence. C'est lui qui commence, c'est toi qui commence, Swan, t'es prêt? Oui. Allez, courageusement. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier round de ce challenge? Prêt. Prêt toi aussi, Swan? Allez, je vais chercher l'objet. Vas-y, Swan. Une plante. Oui. Oui, c'est une plante. Bien joué, dis donc. Ah, bah, j'ai reconnu avec les branches. Bravo, petit cœur. C'est effectivement une plante en plastique. Bien joué, hein. Bon. En plus, t'es allé super vite, je trouve, hein. Un premier point pour Swan. J'ai trouvé parce que j'ai reconnu avec les branches et le pot. Oh, je vous amène le deuxième objet. Pour moi? Oui. Là, Swan, tu peux enlever ton masque et c'est Néo qui doit se bander les yeux. Attention, c'est parti. Deuxième round. Oh, la plante, comme c'était dur. Quelqu'un. Je rigole. Le deuxième objet a été positionné. Est-ce que je vous ai dit que ça pouvait être des choses vivantes? Non? Ça peut être des choses vivantes aussi, attention hein. Ça fait beaucoup rire Swan en tout cas. Tu m'as alors? Non, c'est pas vivant. C'est une araignée, poète poète. Une araignée, poète poète? Ouais, je sens l'odeur là, poète. C'est une araignée. Oui, c'est une grosse araignée en plastique. Oh, vous êtes courageux pour l'instant, dis donc. C'est énorme. Ça va, vous n'avez pas trop peur? Non, ça va pour l'instant. On dirait une fourmi avec ses fesses. On dirait une fourmi. Non mais sérieux. On dirait une fourmi. Non mais sérieux, bien sûr. Absolument. Et ça fait un point aussi pour Néo. Vous ouais, êtes égalité. C'est dur, la fourmi. Bravo les garçons. Non, c'est pas du slime. Non, c'est pas du slime. Moi si j'aurais été toi, je n'aurais pas essayé de le faire exploser. Non, c'est pas du slime. Est-ce que... Ce sont des boules de zombies. Ah, je sais. Ce sont les boules et on met du CM dans le corps et après ça fait bloc. Non, c'est pas ça non plus. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Bon alors je sais pas. Tu sais pas du tout? Non. Attention, si tu donnes ta langue au chat, tu ne marques pas le point supplémentaire hein. Essaye peut-être autre chose. Ah, les petits pois. Les petits pois? Oui. Ça serait des gros pois mais oui. Des gros petits pois donc. Je pense que c'est ça. Tu pars sur les petits pois? Oui. Alors, je te propose avec la main qui est propre de retirer ton masque pour regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors?
T'as éclaté un œil, Swan. Celui-là, c'était... Et tu l'as bien éclaté. Un œil. Alors, je précise quand même que ce sont des yeux bonbons, hein. Nous attaquons maintenant le troisième round et c'est au tour de Swan. Ça va, Swan? Est-ce que tu devines ce que c'est? Oh, oh. Ah, du ciel? Non, non, c'est pas du slime. Oh. Non, c'est pas du slime. Moi, si j'aurais dit ça, je l'aurais pas. J'aurais pas essayé de me faire exploser. Non, c'est pas du slime. Est-ce que tu ce devines? Ce sont des boules de zombies. Ah, je sais. Ce sont les boules et on met du ciel dans le corps et après ça fait blork. Non, c'est pas ça non plus. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Bon, alors je sais pas. Tu sais pas du tout? Non. Attention, si tu donnes ta langue au chien, tu ne marques pas le point supplémentaire, hein. Ah, les petits pois. Ça serait des gros pois, mais oui. Des gros petits pois, donc. Je pense que c'est ça. Tu pars sur les petits pois? Alors, je te propose avec la main qui est propre de retirer ton masque. Pour regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? T'as éclaté un œil, Swan. Celui-là, t'es... Et tu l'as bien éclaté. Un œil. Alors, je précise quand même que ce sont des yeux bonbons, hein. Ce sont des bonbons, bien sûr. Si c'était des vrais yeux, alors là... Ah bah non, quand même, hein. Évanouie. Tu serais évanouie. Non, non, mais rassure-toi, petit cœur, je t'aurais pas fait un truc pareil, hein. Non, non, ce sont des bonbons, tu sais, ce sont les yeux qu'on avait pour Halloween. Donc là, Swan ne marque pas le point, on reste un point partout. Nous attaquons le quatrième round. C'est au tour de Néo. Alors? Ah, ah. C'est quoi? Attention, ça peut être vivant, hein. Non, arrête. Ah, ça peut. C'est chaud ou pas? Non. Non, c'est pas chaud? Oh. C'est les chaussons de Swan avec les griffes. Oui, ce sont les chaussons monstres et compagnie, voilà, de Swan. J'avais peur au début, c'était poilu et tout ça. Après, j'ai senti ça, je me dis, ah, oh, mais voilà. Ah, ça va. Ça va, t'es rassurée? Ah oui. T'avais peur que ce soit vivant, en fait. Ouais, hein. Mais après, quand j'ai vu que c'était pas chaud, ben, je me suis dit, ouf. Hein. Ah, ça doit pas être vivant, finalement. Bravo, Néo, tu marques un deuxième point. Ouais. C'est bien. Ah. À toi, petit cœur. Allez. Nous attaquons déjà le cinquième round. C'est au tour de Swan. Mouillé. Ah, un verre d'eau. Il n'y a pas quelque chose dans l'eau? Oh, c'est un poisson. Alors, t'as touché un poisson? Oui. La réponse est incomplète, hein. Mets ta deuxième main pour voir, pour vérifier. Et il a perdu le trou de la boîte. Tu veux l'aider, Néo? Voilà, c'est là. Ah. Alors? Néo, il se nie. Ah. Vas-y, vérifie, enlève ton masque. Bah oui, je le savais. Mais oui, c'est Ponyo et Sony, bien sûr. Ah oui, je savais. Ça tombe bien, vous êtes nombreux à demander de leurs nouvelles. Regardez. Ils vont très bien. Ils vont très bien, ils grossissent à vue d'œil. Ils sont en pleine forme, nos poissons. Et ça fait donc un point de plus pour Swan. Bravo, ouais, petit cœur. Vous égalisez deux points partout. Tum, tum, tum. À toi. À toi, Léo. Go. Alors, Néo, c'est ton tour pour ce sixième round. C'est un trauma. Alors, alors... Ah, oh, il y a un truc, je l'ai dessiné. Ah, oh. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, il y a du slime. Est-ce que c'est du slime, un œuf. Swan? C'est un œuf. Oui, bravo. Je reconnaissais la matière et la taille de... Bravo, ouais, bravo, bravo. C'est un œuf au plat. Ouais, c'est un œuf au plat. C'est un œuf. Oh, bah, il est pas au plat, non, il est cru. Il est cru, en fait. Il est cru au plat. Il est cru au plat, bien sûr. En fait, je pensais que t'allais l'écraser, mais en fait, non. Ah non, moi, je suis très prudent. Hein. Ah oui, tout doucement. Pas comme Swan tout à l'heure avec l'œil. C'est rapide avec Swan. Bravo, Néo. Tu marques donc ton troisième point. Parce que je croyais que c'était un petit pois. Là, nous attaquons le septième round.
Et donc les copains et les copines, au cas où vous n'ayez pas l'idée de ce dont il s'agit, voilà ce qu'il y a à l'intérieur du petit bol. Il y en a plusieurs. Ça fait peur. Ça, c'est un monstre horrible qui vit dans quelque chose d'horrible. J'aime. Alors il me faut une réponse plus précise. J'aime dans un verre. Regarde bien. Avec des araignées dedans. Non, c'est pas les araignées. Est-ce que tu arrives à reconnaître? Des insectes. Non. Des tortues ninja. Oui. Ah, je connais, slime. Mais bien sûr, c'est le slime tortue ninja. Comment vous trouvez ce challenge pour l'instant? Oh, très bien. Super. Ça vous plaît? Oui. Ouais, super. Allez, on continue. Alors, c'est au tour de Néo. Touche à l'intérieur. Ah oui, mets tes mains à l'intérieur. C'est notes avec une barre de nourriture. Oui, c'est ça. Ah, t'as pas eu peur quand t'as senti bouger? Non. T'as bien vu que c'était lui? Ah ben. Et oui, c'est notes, bien sûr. Notre pépère. Alors, notes, c'est notre hamster, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais bon, je pense que pour la plupart, vous savez qui est notes. C'est notre petit pépère qu'on a depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Alors, notes, bien sûr, c'est notre mascotte. Hein. Vraiment. Toute la famille l'adore, toute la famille s'occupe de lui, lui fait des câlins. Tu veux le mettre là-haut? Tintin. En exploration. On te voit bien là, tiens. On te voit bien, petit coquin. Ah, voilà. Mais non. C'est bon. Ah, tout le monde veut le prendre maintenant, hein. Oh là là, mais oui, il n'y a qu'un seul hamster et bien sûr, tout le monde l'adore et tout le monde le veut dans ses mains. En tout cas, Néo, tu prends l'avantage avec Nuts et tu as marqué ton 4e point. C'est le 9e round et c'est à Swan de mettre les mains dans la boîte. Les petits pois. Non, ce ne sont pas des petits pois. Mais il est perdu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il a perdu. Ça ne se mange pas. Oh bah alors, t'as pas une idée? Un petit ballon? Non. Il a perdu. Tu mets les deux mains dedans? Mais je sais pas ce que c'est. T'as pas du tout d'idée? Non. Réfléchis bien. Oh là. Ah, les zombies! Ah, il a perdu. Donc on m'a mis le petit. Ah bah oui, les zombies, bah oui. Mais oui, c'est des zombies. Mais bah oui. De toute façon, t'as un point d'avance, t'inquiète pas. Okay. Oui, ce sont les zombies et Swan égalise. Maintenant, voilà, vous avez 4 points chacun. C'est le dernier, là. Et là, on arrive au dernier. Oui, je vais vous amener maintenant le 10e et dernier objet à attends, deviner. Mais c'est à Néo? Oui, c'est à Néo. Alors, Néo, allez, dernière chance pour marquer un point. Ah, c'est le ver géant. Qui est en quoi? En gummy. Oui, oh là là, trop facile. Bah oui, c'est trop facile. Oui, c'est le ver en bonbon géant. Qui le fait sortir une. Le voilà. Attention. Combat de verre. Oh là, pauvre verre. C'est comme le challenge de James Bond, mais avec un bonbon géant. Grâce à ce ver géant, Néo, tu as marqué un 5e point. Et donc, tu remportes ce challenge. Mais pas les bonbons sur les cheveux. Bravo, Néo. Ça, on dirait pas un parrain. C'est mieux comme ça. Ça ressemble à ce qu'on avait fait, vous vous souvenez? Oui, au squelette. On avait fait ça pour Halloween, on lui avait fait une coupe comme ça. En pharaon. Ça te va très bien, Néo aussi, vraiment. Ah, tant mieux. C'est parfait. Donc, Néo, tu as gagné, bravo. Ouais. Allez, Néo, champion de ce What's in the Bag Challenge. Bon, enfin, c'était très serré. Swan, tu as quand même marqué 4 points. C'est très bien aussi. Moi, ce que j'ai préféré, c'est notes. Et toi, Swan? Moi, ce sont les orbis. Ah, finalement, les orbis. Ah non, moi, ce sont les yeux. Les yeux que tu as écrasés. Les copains et les copines, quel est l'animal ou l'objet que vous avez préféré? C'est au préféré. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, les copains et copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager. On fait un gros bisous. Vous, ça adore. Bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous.
Alors, est-ce que toi, tu aurais reconnu Nuts? Oui. Oui, ça fait une drôle de sensation. Surtout que là, il s'enfuit de la boîte, hein, donc je pense que t'aurais pas eu trop de mal à le retrouver.